Le sens de l'ouïe résulte d'un processus appelé transduction auditive. L'oreille convertit les ondes sonores présentes dans l'air en impulsions électriques que le cerveau peut interpréter. Quand le son pénètre dans l'oreille, il passe par le conduit auditif, qui se termine par une membrane appelée tympan. Le tympan entre en vibration sous l'effet des ondes sonores. Les sons graves produisent une vibration à basse fréquence et des sons de faible volume produisent des vibrations de faible amplitude. Des sons aigus produisent des vibrations plus rapides. Le tympan a une forme de cône et est connecté à une chaîne de trois osselets. Ces osselets sont appelés respectivement le marteau, l'enclume et l'étrier. Les mouvements du tympan sont transmis aux osselets en préservant l'information sur l'amplitude et la fréquence. Les trois osselets pivotent collectivement autour de l'axe indiqué en rouge. Cette rotation d'ensemble s'explique par une série de ligaments qui maintiennent les os en place dans l'oreille moyenne. Le ligament antérieur du marteau et le ligament postérieur de l'enclume sont d'une importance particulière pour le maintien de l'axe de rotation. Deux éléments importants n'apparaissent pas sur la figure, car ils obscurciraient la vue. Il s'agit du nerf de la corde du tympan et du tendon du muscle tenseur du tympan. Les vibrations du tympan sont transmises le long de la chaîne des osselets jusqu'à la base de l'étrier. L'étrier bouge comme un piston et induit des vibrations à l'intérieur du labyrinthe osseux. Le labyrinthe est rempli d'un fluide appelé périlymphe. Si le labyrinthe était parfaitement clos et rigide, le mouvement de l'étrier serait impossible car la périlymphe est pratiquement incompressible. Mais la fenêtre ronde et la membrane qui la recouvre sont flexibles, ce qui permet le mouvement de l'étrier et l'émission de vibrations dans le labyrinthe. Le conduit menant de la fenêtre ovale à la fenêtre ronde se trouve dans la partie spirale du labyrinthe osseux, appelée la cochlée. Les vibrations produites par l'étrier montent jusqu'au sommet de la cochlée, puis redescendent jusqu'à la fenêtre ronde. La portion ascendante de la cochlée est appelée la rampe vestibulaire. La portion descendante est appelée la rampe tympanique. Une troisième structure, appelée le canal cochléaire, est située entre les rampes vestibulaires et tympaniques. Le canal cochléaire est rempli d'un liquide appelé endolymphe. Vu en coupe, les membranes séparant les cavités remplies d'endolymphe et de périlymphe sont clairement visibles. Il s'agit de la membrane de Reisner et de la membrane basilaire. Ces membranes sont flexibles et vibrent en réponse aux ondes se propageant le long de la rampe vestibulaire. Le mouvement de la membrane basilaire émet des ondes qui descendent le long de la rampe tympanique. Une structure spécialisée appelée organe de Corti est située sur la membrane basilaire. Lorsque la membrane basilaire vibre, l'organe de Corti est stimulé,
ce qui envoie des impulsions nerveuses au cerveau via le nerf auditif. Les impulsions nerveuses sont générées par des cellules spécialisées de l'organe de Corti appelées cellules ciliées. Les cellules ciliées sont recouvertes et viennent en contact avec la membrane tectoriale. Quand la membrane basilaire vibre, les cils se plient contre la membrane tectoriale, ce qui déclenche l'émission de neurotransmetteurs. Les différents points de la membrane basilaire ne vibrent pas simultanément. Au contraire, ce sont des zones bien spécifiques qui vibrent en réponse à un son de fréquence donné. Les sons graves font vibrer la membrane basilaire à proximité de l'apex de la cochlée, alors que les sons aigus produisent des vibrations proches de sa base. Cette propriété est appelée tonotopie. Globalement, cette séquence d'événements est responsable de notre perception acoustique du monde qui nous entoure.